La Corse, en Corse et en Italien, Corsica, et en Ligure. Corsega, est une île située en mer Méditerranée et une collectivité territoriale unique française. Quatrième île de la mer Méditerranée par sa superficie, la Corse a été rattachée durant près de quatre siècles à la République d'Eugène, avant une brève indépendance comme royaume de Corse. Du 15 avril 1736 au mois de décembre 1740. En 1755, elle adopte la première constitution démocratique de l'histoire moderne, et donne pour la première fois en partie le droit de vote aux femmes. Le 15 mai 1768, elle est cédée par la République de Gênes à la France, Bien que Gênes n'ait qu'une emprise limitée sur l'île depuis la déclaration d'indépendance de la République corse en 1755. Elle est conquise militairement par le Royaume de France lors de la bataille de Ponte Novo, le 9 mai 1769. Département unique à la création des départements en 1790. La Corse est divisée en deux en 1793 avec la création des départements du Golo et du Liamon. Elle redevient partiellement indépendante sous protectorat britannique de 1794 à 1796, avec la création du royaume anglo-corse. En 1796, la Corse est définitivement française puis réunifiée en 1811, en un unique département puis de nouveau divisée en 1975, avec la création des départements de Haute-Corse et de Corse du Sud. La région Corse est créée en 1982, en tant que collectivité, et acquiert en 1991, à la suite des revendications locales, un statut de collectivité à statut particulier dénommé collectivité territoriale de Corse. Enfin, depuis le 1er janvier 2018, en application de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, la Corse est une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, de type collectivité territoriale unique, dénommée collectivité de Corse, et instituée en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse, et des départements de Corse du Sud et de Haute Corse, en tant que collectivité. Les circonscriptions administratives départementales de Corse du Sud et de Haute Corse, territoire d'exercice des compétences de l'État, restent inchangées, avec les préfectures respectivement, à Ajaccio et Bastia. La Corse compte 350 273 habitants en 2021 d'après les estimations de l'INSEE, bien que le dernier nombre officiel soit de 340 440 habitants, en date du 1er janvier 2019. Cette faible démographie fait de l'île le territoire le moins peuplé de la France métropolitaine. Doté d'un riche patrimoine culturel et d'une puissante chaîne de montagnes, Culminant à plus de 2700 mètres d'altitude, qui complique les transports intérieurs, l'île a développé une activité touristique réputée, assurant environ un emploi sur 6 et 5 millions de nuitées par an. Tout cela reste très concentré sur le littoral, et à la période l'été. Les prémices de l'écotourisme, appelé aussi tourisme durable, agrotourisme ou tourisme équitable. Également promu dans l'île proche de Sardaigne, pour mettre en valeur la richesse de l'intérieur de ces îles montagneuses, et prévenir la pollution dont souffre ailleurs la Méditerranée, ont vu le jour avec la randonnée en climat méditerranéen, dès les années 1970. Des historiens ont écrit, de vieux auteurs l'assurent et, dans la légende qu'ils nous ont transmise, une réalité précise apparaît sans doute. Une femme de la côte de Ligurie, voyant une génisse s'éloigner à la nage et revenir fort grasse, s'avisa de suivre l'animal dans son étrange et longue course. Sur le récit qu'elle fit de la terre inconnue qu'elle venait de découvrir, les Liguriens y firent passer beaucoup de leurs compagnons. Cette femme s'appelait Corsa, d'où vint le nom de Corse. C'est la légende éponyme que nous retrouvons à l'origine de toutes les cités antiques, mais elle est de formation récente, car le premier nom de l'île est Cyrnos, et non pas Corsica. La difficulté n'était point pour embarrasser les vieux chroniqueurs, grands amateurs de merveilleux et habitués à ne douter de rien. Il y a d'autres légendes, et plus prestigieuses, sinon moins fantaisistes. Un fils d'Héraclès, Cyrnos aurait colonisé la Corse en lui donnant son nom. Giovanni della Grossa croit que la Corse a été peuplée par un chevalier troyen, appelé Corso ou Cor, et une nièce de Didon, nommée Sica, que Corso a bâti les villes de l'île et leur a donné les noms de ses fils et de son neveu, Eadzo, Alero, Marino, Nebino. C'est ainsi que la Grande-Bretagne a eu son Brut, la France son Francus, et que la Corse a son corseau, ne veut L'île de Corse, nommée Cyrnos par les Grecs, était baignée au nord par la mer de Ligurie, Ligusticum Marais, à l'est par la mer Tyrrhénienne, au sud par le détroit afro Gallicum qui la séparait de la Sardaigne, Sardinia, à l'ouest par la mer Ibérique. Plus loin, dans son étude sur l'occupation de l'île, Xavier Poli écrit L'unique texte sur lequel nous pouvons nous appuyer, pour avancer que les Libyens ont occupé la Corse, est tiré de la fausside de Posania, qui écrivait au deuxième siècle de notre ère, à peu de distance de la Sardaigne, il est une île appelée par les Grecs Cyrnos et par les Libyens qui l'habitent Corsica. Une partie non minime de la population, écrasée dans une sédition. Passa de cette île dans celle de Sardaigne et se tailla dans la montagne, d'un territoire où elle s'établit. Les Sardes nomment ces émigrés du nom qu'ils ont apporté de leur pays, Cor. La légende est plus précise Sardus, fils d'Hercule et fondateur mythique de la Sardaigne, aurait eu un frère Cernos. À la tête d'une nombreuse armée de Libyens, l'un et l'autre auraient quitté l'Afrique pour venir s'installer. Le premier en Sardaigne, le second en Corse, donnant leur nom aux deux îles. Selon Ptolémée, l'île de Cyrnos, qui est aussi appelée Corsica, Variante, Corsa, Corsi, Corsia, est bornée au nord et à l'ouest par la mer de Ligurie, à l'est par la mer Tyrrhénienne, au sud par la mer qui la sépare de l'île de Sardaigne. Et Xavier Poli de conclure, c'est de Halcy, principale ville de Lubé. Que partie la plus ancienne colonie que la Grèce envoya vers l'Occident? Elle a la fondée Cume entre le 11e et 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous savons qu'un des points du territoire d'Eucharisto, une des plus jolies villes de Lubé, portait le nom de Cyrnos. Il semblerait donc vraisemblable que Corsica fut baptisée Cyrnos par les colons de Cume. Mais il convient aussi de dire que Cyrnos est un nom propre d'homme que nous trouvons dans Hérodote et dans Stobé. Pour sa part, dans son ouvrage Histoire de la Corse depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours édité en 1839, Camille de Fris Colonna exprime ainsi « Aucun historien n'a jusqu'à ce jour donné une étymologie satisfaisante des noms de Cyrnos et de Corse ». Les uns assurent que Cyrnos était un fils d'Hercule, qui donna son nom au pays que nous connaissons. Les autres, et Samuel Bochard et de ce nombre, prétendent que le nom de ne voulant dire, en langue phénicienne, couvert de forêts. Ce nom dut être imposé à la Corse d'aujourd'hui par les voyageurs phéniciens, qui furent frappés de la richesse de ces forêts. Quant au nom de Corse, il y a également des historiens qui veulent qu'il ait été donné à la Corse par Corsus, fils d'Hercule. Beauchard le fait dériver d'un mot phénicien, qui voudrait dire cornu, nom qui lui aurait été imposé à cause des nombreux promontoires qui s'avancent en pointe dans la mer, et des pics élevés qu'on aperçoit de loin, avant de l'atteindre. Philippini rapporte deux versions, que nous croyons devoir transcrire ici pour faire voir jusqu'où peut aller la manie des étymologies. Voici la première, une femme de Ligurie, appelée Corsica, ayant suivi un taureau qui se rendait à la nage dans une terre inconnue, fut rejointe par ses parents, qui, étant arrivés sur ses traces dans un pays de très belle apparence, et où les pâturages étaient excellents, s'y établirent et appelèrent ce pays Corsica, du nom de la femme qui les y avait attirés. La seconde des cas neveux d'aîné appelé Corsus, ayant enlevé une nièce de Didon, appelée Sica, s'enfuit dans l'île à laquelle il donna le nom de Corsica. Du géographe grec Strabon, l'île de Cyrnos, que les Romains appellent Corsica, est un pays affreux à habiter, vu la nature âpre du sol et le manque presque absolu de routes praticables qui fait que les populations confinées dans les montagnes et réduites à vivre de brigandage, sont plus sauvages que les bêtes fauves. C'est ce qu'on peut, du reste, vérifier sans quitter Rome, car il arrive souvent que les généraux romains fassent des descentes dans l'île, attaquent à l'improviste quelques-unes des forteresses de ces barbares et enlèvent ainsi un grand nombre d'esclaves. On peut alors observer de près la physionomie étrange de ces hommes farouches comme les bêtes des bois ou abrutis comme les bestiaux, qui ne supportent pas de vivre dans la servitude, ou qui, s'ils se résignent à ne pas mourir, lassent par leur apathie et leur insensibilité les maîtres qui les ont achetés, jusqu'à leur faire regretter le peu d'argent, qu'ils leur ont coûté. Il y a cependant certaines portions de l'île, qui Sont à la rigueur habitables et où l'on trouve même quelques petites villes telles que Blaisinon, Charax en Iconis et Vapane.